Un gros match, ouais. Un gros match. Il avait, lui aussi, avait été lent, je trouve, mais comme toute l'équipe à Reims, manque de rythme. Et je l'ai trouvé beaucoup mieux ce soir. Lui aussi avait besoin d'enchaîner les matchs. Il a besoin d'enchaîner physiquement les matchs parce que c'est quelqu'un qui a paradoxalement un gros volume physique, même si techniquement, c'est les qualités que l'on remarque en premier chez Ravier. Je pense qu'il a besoin d'être physiquement au top pour pouvoir justement les exprimer. Et donc, entre le travail qu'il a fait et puis les matchs qu'il commence à enchaîner, ben voilà, on a vu le Pastore que l'on a vu aussi l'année dernière. Donc, joueur très technique, capable de donner des bons ballons et aussi capable de concrétiser et de marquer. Ça me fait un joueur de plus à considérer pour l'équipe. Qu'il ait ce niveau-là et puis ça sera un bon problème. Voilà. Pour l'instant, il a fait un très bon match ce soir. Je suis content qu'il ait réalisé aussi un but parce que c'est quelqu'un, depuis que je suis là, lui dit qu'il ne marque pas suffisamment. Et donc, d'avoir marqué un très joli but d'ailleurs. Plein de sang-froid, c'est une bonne chose. Lui aussi doit prendre conscience que c'est un garçon qui est capable de marquer 10 buts par saison. Donc voilà, c'est un joueur que je suis particulièrement parce que c'est un joueur qui a eu des hauts et des bas et j'aime mieux surtout le voir quand il est en haut. Donc on ne le lâche pas, quoi. On le lâche pas. Et on ne le lâchera pas. Donc lui aussi, on va le suivre.